Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 10, enfant de la promesse. Étude de la semaine, Romains 9. Verset à mémoriser, ainsi donc il a compassion de qui il veut et il fait s'obstiner qui il veut. Romains 9, le verset 18. Ainsi qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. Car il dit à Moïse, j'aurai compassion de qui j'aurai compassion et je serai magnanime envers qui je serai magnanime. Romains 9, les versets 13 et 15. De quoi Paul parle-t-il ici? Que fait-il du libre arbitre et de la liberté de choix sans lesquels très peu de nos croyances ont de sens? Ne sommes-nous donc pas libres de choisir ou de rejeter Dieu? Ou bien ces versets enseignent-ils que certains sont élus pour être sauvés tandis que d'autres sont perdus, quel que soit leur choix personnel? Comme d'habitude, on trouve la réponse en prenant en compte l'ensemble des propos de Paul. L'argumentation de Paul tente de montrer le droit de Dieu de choisir qui il veut employer comme ses élus. Après tout, c'est Dieu qui porte la responsabilité ultime d'évangéliser le monde. Par conséquent, pourquoi ne peut-il pas choisir qui il veut pour être ses agents? Tandis que Dieu ne retranche personne de l'opportunité du salut, un tel acte de la part de Dieu n'est pas contraire au principe du libre arbitre. Et plus important encore, ce n'est pas contraire à la grande vérité que Christ est mort pour tous les humains et qu'il désire que tous soient sauvés. Tandis que nous nous souvenons que Romains 9 ne traite pas du salut personnel de ceux qui sont nommés, mais de leur appel à accomplir une certaine œuvre, le chapitre ne présente aucune difficulté. Et nous vous laissons à cette réflexion. Même si Dieu a choisi un groupe spécifique de gens pour qu'ils soient appelés son peuple, cela ne signifie pas que tous les autres peuples sont rejetés. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.